Das ist ein Stromkabel. Und das? Eine Sonneneruption. Aber wo ist da die Verknüpfung? Um das herauszufinden, begeben wir uns an die renommierte École Polytechnique mit dem geschichtsträchtigen Flair, um mit dem Astrophysiker Tahar Amari zu sprechen. Tahar begeisterte sich schon früh für Naturwissenschaften und Sport, insbesondere Radsport. Comme je passe un certain temps sur le vélo, je trouvais que c'était commode de boire au bidon, même lorsque je ne suis pas sur mon vélo. Vous faites pas parler du vélo, parce que je vais en parler peut-être plus, sinon. Voilà. Ob in seinem Büro oder beim Radfahren, Tahar denkt ständig über sein Lieblingsgebiet nach: Sonneneruptionen und das Magnetfeld. Diese Kraft, die ein magnetischer Körper ausübt, zum Beispiel ein Magnet oder der Erdkern. Das könnte die vielen kleinen Magnete auf Tahars Computer erklären. En fait, on pourrait se dire, quel est le lien qu'il peut y avoir entre ce petit objet-là, ou celui-ci sous une autre forme, et puis une éruption solaire qui libère, je disais, une énergie qui peut faire, qui peut aller jusqu'à 100 milliards de fois l'énergie de la bombe atomique, malheureusement, d'Hiroshima. Et qu'est-ce qu'il a de plus, cet objet? En fait, il a que, évidemment, c'est pas de la magie, c'est que derrière, il y a un champ magnétique. Dans le cas du Soleil, bah, il fait 10 fois, 100 fois l'intensité de l'énergie de ce petit aimant. Tahar beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den Mechanismen einer Sonneneruption. Il y a trois effets dans une éruption. Principal physique. D'abord de la lumière, du rayonnement. Ce rayonnement, il nous arrive à la vitesse de la lumière 8 minutes sur la Terre. Ensuite, il y a des particules. Ces rayonnements, il y a ces particules, elles arrivent à une vitesse un peu moins vite, elles ne vont pas à la vitesse de la lumière, mais 30 minutes après l'éruption. Et puis, il y a une énorme bulle de matière, un nuage de plasma, qui quitte le Soleil, qui lui va à plusieurs millions de kilomètres heure, qui fait plusieurs millions de kilomètres, et qui vient ensuite percuter la Terre. Auch wenn die Erde durch ihr Magnetfeld geschützt wird, gelangen einige Teilchen hindurch. Da sie elektrisch geladen sind, können sie all unsere elektronischen Geräte außer Gefecht setzen, wie zum Beispiel Navis, Flugzeuge oder Telekommunikationsgeräte. Also ist es nützlich, Sonneneruptionen besser zu verstehen. Ein Aspekt sind die großen dunklen Flecken auf der Sonnenoberfläche. Die Ursache für ihre Entstehung liegt etwa 200.000 Kilometer unter der Oberfläche, in einer Zone, in der besonders starke Magnetfelder auftreten. Imaginez un énorme, c'est le mot que j'aime employer, un piton magnétique énorme. Et il grossit, il grossit, il grossit. Il grossit pas indéfiniment. Il arrive à un seuil où une petite excroissance qui se produit sur ce piton magnétique va devenir instable. Et bien, cette petite excroissance magnétique va faire un voyage, traverser tout le 200 000 km vers la surface du Soleil. Et à ce moment-là, il perce à la surface du Soleil là où il y a les taches. Et les taches que l'on voit à l'œil ne sont que les traces du champ magnétique, les empreintes du champ magnétique. Tahar forscht weiter und konzentriert sich auf die Entwicklung des solaren Magnetfelds kurz vor der Entstehung einer Rieseneruption. On a fait des échographies plusieurs fois par jour, en suivant le dernier jour de la grossesse de l'éruption, qui a donné lieu à la naissance de l'éruption. Et on voit qu'au tout début, bah, y a un champ magnétique qui, au départ, a une forme quelconque, hein, même assez courte, faible, puis au fur et à mesure, il se met à grandir, à grandir, à grandir, à se tordre, à former une corde magnétique. En fait, voilà un signe précurseur de l'éruption, c'est la corde. Er erntet Anerkennung. Seine Arbeit landet 2014 auf dem Titelblatt der renommierten Fachzeitschrift Nature. Doch die Freude währt nur kurz. Quand on a la chance de faire la couverture de Nature, on a beaucoup d'appels téléphoniques. Donc je reçois de nombreux appels téléphoniques et habitué, et je réponds, je dis oui, alors ça nous est arrivé comme ça, voilà notre recherche, voilà. Et je reçois un appel téléphonique d'un de vos confrères et il ne me pose pas du tout cette question. Il me dit oui, vous avez montré qu'avec des taches qui se. Voilà, qui étaient de cette forme, etc., une énorme corde magnétique et éruption se produisait. Mais en ce moment, sur le Soleil, il y a une groupe de taches solaires qui est beaucoup plus gros. Effectivement, ce groupe de taches-là a produit le plus grand nombre d'éruptions de tout ce cycle solaire, mais avec le pédigré du nombre d'éruptions qu'elle a produites, ce qui a été de caractéristique, il n'y en a aucune de ces éruptions qui a libéré de nuages de plasma. Comment une région aussi grosse n'a pas produit de nuages magnétiques? Et c'est ça qui a fait que je me suis intéressé à cette région à partir du 24 octobre 2014. Je suis revenu au laboratoire tout de suite rapidement, pas le jour même, mais le jour après,
et dit oh, « on va s'intéresser à cette région, etc. » et comprendre pourquoi. Ta'ar stellt neue Hypothesen auf, um die Eruption vom 24. Oktober 2014 zu erklären. Gibt es etwa mehrere Arten von Magnetfeldern? Cette éruption-là, on a vu se former une corde. On a vu se former encore une corde. Très bien, vous voyez, cette découverte de la corde, c'était parfait. Mais oui, mais il y avait bien une corde aussi pour l'éruption précédente, qui a permis de découvrir l'existence des cordes. Mais ça a donné un énorme nuage magnétique. L'éruption de 2006, là, il n'y en a pas. Il y a des rayonnements, et comment ça se fait? Ah, en analysant les résultats de l'échographie et tout le travail, on a découvert qu'il y avait autre chose. Il y avait la présence d'une cage magnétique. Eh bien voilà, on a découvert la cage magnétique et ça explique pourquoi il n'y a pas eu de nuage magnétique d'éruption. Wenn dieser Magnetkäfig stärker ist, entweicht nur eine Strahlung. Wenn der Magnetstrang jedoch stärker ist, kommt es zu einer mächtigen Sonneneruption. Diese Entdeckung brachte Ta'ar erneut die Titelseite dieser immer noch sehr renommierten Fachzeitschrift ein. Nun arbeitet er an einer Solarmeteorologie, um großflächige Stromausfälle wie 1989 in Quebec verhindern zu können, als 6 Millionen Haushalte wegen einer Sonneneruption von der Stromversorgung abgeschnitten waren. Darüber grübelt er natürlich auch auf dem Rad. Und, ist dir schon ein Geistesblitz gekommen, Ta'ar? J'ai failli. Au moment, il m'a dit, attention, Dodan. Ja, ça va, c'est parti. Il va falloir que je reparte en vélo. Also dann, gute Fahrt.